Hello, hello! Salut! Et bienvenue pour un nouveau Vlogmas! Oui! Yes. On est trop contents! Ça y est, 1er décembre, le mois des fêtes commence. Alors par contre, dans la maison, ça n'a pas encore tout à fait commencé. Vous le voyez, c'est encore en travaux. Mais normalement, ce bout de mur-là devrait vraiment être terminé aujourd'hui. Ça sera fait. On a patienté pour installer la déco Noël. Alors normalement, le sapin, on le met première semaine, premier week-end de décembre. Enfin, ça date surtout de l'époque, cette habitude, je parle à l'envers, quand on prenait des vrais sapins, oui. Pour que les épines puissent tenir sur le sapin jusqu'au 25 décembre. Mais on a gardé cette habitude en fait. Par contre, on avait commencé à installer des petites guirlandes, des petites choses à droite à gauche, parfois avant d'installer le sapin, il me semble, non? Du moins, on avait sorti la déco. Là, du fait qu'il y avait les travaux, on n'a rien commencé. Donc, on va pouvoir faire la poussière déjà, t'as raison. Faire vraiment un gros ménage parce qu'il y a de la poussière qui est allée de partout, oui. Et ensuite on va pouvoir sortir toute la déco et j'en connais une qui va être trop contente. Bon, alors on aime tous hein, les lumières de Noël, les décos et tout, carrément. Mais c'est vrai que Jessie, on l'a remarqué, quand elle voit c'est des magique. Illuminations, elle est trop bien, c'est les chouette. Lumières, c'est trop cool. En plus on a trouvé des petites choses plutôt chouettes, ouais. Il y a quelques petites nouveautés, trop hâte. Par contre, ce que vous pouvez peut-être voir là, c'est que je suis encore en pyjama, pas coiffée, et j'ai même de la crème sur le visage parce qu'en fait j'ai passé une nuit pourrie, de 3h à 6h du matin. J'ai regardé les heures et j'ai essayé de camoufler tout ça en mettant une crème un peu coup d'éclat. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que t'as l'impression que j'ai les yeux genre moins bouffis, avec moins de cernes? Moi j'ai quand même l'impression que ça marche pas mal, ou bien la caméra est très flatteuse. C'est peut-être ça aussi. Bon, du coup je file parce qu'en fait vous avez vu, Jessie et Sam sont prêts, Jen est déjà à l'école, Josh c'est sa semaine durant laquelle il a cours à la maison, et moi je suis toujours en pyjama, donc j'y vais. Et coucou! On vous retrouve beaucoup plus tard. Jen est rentrée de l'école, Jessie a déjà fait sa... Oh, 3 siestes aujourd'hui, c'était sa 3e petite sieste. Bon, on la soupçonne de pas forcément dormir. Non. Parfois, elle demande à aller dans son lit, mais en fait, elle se repose. Voilà, c'est juste son petit moment de calme. Donc, on voulait découvrir avec vous tous les calendriers de l'Avent gourmands que Sam est allé chercher il y a quelques jours. Et d'ailleurs, par rapport à ça, en fait, t'as pas décidé pour qui était quel calendrier de l'Avent. Non, c'est familial. Voilà. Il a décidé qu'il en prenait plein, ouais. Et qu'on mettrait tout ce qu'il y avait dans les cases dans un pot commun. Et puis on piochera dedans quand on en aura envie. Voilà, oui, parce qu'on n'est pas obligé de prendre systématiquement, enfin de manger systématiquement quand on ouvre. Sinon, ça peut faire beaucoup, ça tombe pas forcément au moment où c'est l'heure de la gourmandise. Personne ne dit oh, j'aurais bien mangé ça, mais moi j'ai l'autre. Voilà, ouais. Ça. Au lieu de faire du troc, on met tout dans le pot et puis chacun prend ce qu'il veut. Du coup, ce que Jessie était en train de regarder avec des grands yeux gourmands, c'était le petit calendrier de l'Avent Kinder. Mm-hmm. Donc dans celui-ci, je me souviens plus trop ce qu'on trouve en général. Ça, des petits Kinder. J'ai une petite idée pour la grosse case, mais il ne faut rien dire. Ensuite. Et ben, et si on ouvrait les cases en même temps, du coup, parce qu'on est quand même le premier. Allez. Allez, tu ouvres avec Jessie. Hein. Voilà. Vas-y, va. Elle va comprendre ton truc en te voyant faire. Je vois pas, moi. Un Papa Noël. Papa Noël. Trop mignon. Oh là là, c'est chouette ça. Attention qu'elle ne casse pas, qu'il ne fonde pas dans sa main, j'allais dire. Qu'elle ne veuille pas le manger. C'est ça. Ensuite, Sam a pris celui-ci en pensant à Jessie, j'imagine, oui, et à Jen, parce qu'elle pourra lire du la coup. La particularité, attends, c'est j'essaye de passer. Il y a des mini-livres. Il y a des mini-livres dedans. Et j'ai trouvé ça super chouette. C'est vrai, c'est mignon comme tout. Ouais, je me suis dit que c'était original. Ça... Alors attends, on va mettre ça de l'autre côté, derrière moi, comme ça, ça ne te gênera pas. Regarde, tu peux. En plus, regarde. C'est fait comme un livre. Regarde, c'est joli. Mon cœur. Regarde. Oh. Alors le 1 il est là. Alors. C'est joli l'image avec le Papa Noël qui c'est raconte joli, les hein. histoires. Attends, ouais. On le pose, regarde. Il y a le 1, regarde. Regarde chérie, regarde. C'est un mini Kinder. Encore un petit Kinder. T'as vu avec un petit pingouin. J'irai chercher le pot tout à l'heure, je sais où je l'ai mis. Il y a un pingouin. T'as vu avec le Père Noël. C'est chouette ça, dis donc, c'est beau. Elle regarde derrière. C'est pas le nord. Ensuite, il a décidé de prendre celui-ci avec le chapeau dessus. Oui. Donc j'ai juste enlevé le plastique, j'ai laissé le chapeau dessus pour l'instant. Et la case 1. Regarde mon cœur. Regarde. Ah.
Oh là là. Il a l'air gros, celui-ci, la carte a l'air grosse. Ah. Ah. Un Kinder surprise. Moi, je sais pas comment, moi, ça, c'est mes préférés. Ah, c'est trop bien, ça. Ah, elle va me les voler. Je sens qu'il va y avoir du monde autour du pot en commun. Alors, derrière. Celui-là, c'est... C'est la première fois qu'on le prend, hein, parce que de l'acre. Bah, Jessie, on ne peut pas dire qu'elle va manger du chocolat. Bah non, on ne lui donne pas de chocolat, en fait. Donc, il y aura les petits biscuits, voilà, de l'acre. Bah, je me suis dit que ça pouvait être son petit truc à elle. Donc ici, il y a un. Oui, vas-y. Voilà. Regarde, tu ouvres, toi. Ouvre, tu tires. Allez, vas-y. Bravo, chérie. Ah, il faut ouvrir. Ils sont bien protégés. C'est pour que ça reste. Ouais, peut-être que celui-ci, derrière. Faudrait laisser dedans pour pas que ça prenne trop l'air. Allez, peut-être. On laisse. C'est un chocolat. Enfin, un biscuit chocolaté. Et le calendrier M&M's. Oui. Mais il n'y a pas que des M&M's. C'est là. Regarde. Oh là. Non, vas-y, chérie. Trop dur. Avec une seule main. Oui, parce que tu as appuyé sur rien, c'est pour ça. Tu fais, toi. Allez, vas-y, ouvre. Vas-y, Soupi, tu attrapes. Attrape dedans. Tu l'attrapes. Vas-y. Ouais. Bravo. Sneakers, c'est un Snickers. Oh, moi j'adore les Snickers. Non, sinon on va manger les Snickers. Ça y est, il y a bataille. Bon, mais c'est pas tout. Regarde, tu oublies. Sam, il a aussi trouvé ça. Attends, reste là de ce côté-là, il y aura plus de place parce que là vraiment. Sam a trouvé celui-ci. Le super calendrier de l'Avent, VTech. Tut-tut bolide. Ça a l'air trop mignon. Attends, je vais juste regarder derrière. Je pense qu'il faut l'ouvrir ici. Je crois que ça lui plaît. Alors, qui c'est qui l'ouvre? Oui, il y a des petites sécurités que j'avais pas enlevées. C'est bon, c'est ouvert. Waouh, le petit circuit. Et ça, c'est la locomotive. Oh, c'est trop mignon. C'est Gabriel, le petit train de Noël. C'est vraiment trop chou. Ça, c'est chouette, alors. Du coup, c'était la case 1, hein, c'est ça? Oui. Et oui, c'est le début du train. C'est le début du train. Voilà. Zone magique. Coller ici la plaque. Attends, j'ai pas lu la fin. Pardon. Avec zone magique incluse. Oui, c'est ça. C'est marqué dessus. En fait, là, faut s'enlever. Ok, il faudra mettre le petit train dessus, j'imagine. C'est trop, trop chou. Bon, personnellement, je sais pas toi, Sam, mais les calendriers de l'Avent jouaient comme ça, on connaissait pas. Avec les enfants, on en a pas eu. Hein. Effectivement. Peut-être que ça n'existait pas à leur époque. Ouais. Je sais pas du tout, mais ça me dit rien. Mais c'est pas grave, tu vas découvrir ça avec ta petite sœur. C'est chouette aussi à partager. Je vais pouvoir m'amuser aussi avec elle. Ben oui, bien sûr. Et puis les petits livres, il faudra bien lui lire les histoires aussi. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas arrêté. C'est pour ça qu'on reprend la caméra très, très tard. Mais il fallait que je vous montre. Le mur est terminé. Bon, la déco n'est pas encore terminée. Par contre, chaque chose en son temps. On n'a pas encore replacé le salon. Il faut encore reculer la télé, tout ça. Mais il y avait tellement de poussière qu'il a fallu faire un gros ménage. Je suis également super contente parce que, faites pas attention au carton, il y a mon petit banc qui est arrivé, celui dont je vous ai parlé, qui va remplacer cette console et sur lequel on va pouvoir poser nos blousons quand on rentre dans la maison et qu'on ressort tout de suite et qu'on n'a pas forcément envie de les pendre dans les grandes penderies. Et sinon, je vous rappelle que nous avons également des calendriers de l'Avent. Beauté ! Voilà ! Sauf que vous en avez vu deux là, il y en a un dans mon studio, il y en a un juste derrière moi sur les escaliers. Et on s'est dit qu'on allait aller au studio, toutes les deux, entre filles, pour aller les ouvrir. Ouais. T'es prête ? Faut mettre le blouson parce que ça y est, il fait froid dehors maintenant. Donc on vous retrouve dans un instant. Bon, je sais. Tu es pressée, tu as envie de voir ce qu'il y a dans ton calendrier de l'Avent en premier, le fameux calendrier Sephora Wild Wishes. Donc, ben vas-y. D'accord. Trouve la case 1, il est vraiment très joli ce calendrier. Vraiment, j'aime trop. Très très beau. Forcément, la déco me plaît particulièrement. Voilà. Il y a plein de feuilles de palme de partout. Et donc... Oh, un vernis à offrir à maman. Bah, il est rouge. Jen ne met pas de vernis très foncé comme ça. Quand elle en met exceptionnellement, c'est du vernis très, 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 très clair. Voilà. Je rose pas. Donc,
je vais tester. Bon, en même temps, on le savait, en prenant un calendrier de l'avant chez Sephora, il y avait forcément quelques petits produits qui ne seraient pas encore adaptés à l'âge de Jen. Mais c'est pas grave, t'inquiète, parce qu'il y a plein d'autres petites choses qui vont beaucoup te plaire. Je le sais, je te connais. En tout cas, je suis super contente. Tant mieux, ma chérie. De côté. Alors, ensuite, ben, tu sais quoi, je te laisse ouvrir celui que tu souhaites. Je sais que tu adores découvrir les surprises, puis autant on va faire du troc. Ah, dit-elle. Donc du coup, c'est celui-là. Donc ça, c'est le calendrier de l'Avent que j'ai reçu avec 7 marques iconiques dedans. Donc il y a du L'Oréal, il y a du Maybelline. En fait, on les a à l'envers, là, en dessous. Garnier, Mixa, Essie et... La Provence. Et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Voilà. Donc, et coup, donc ça, là... La Provençale, voilà. La crème radieuse hydratante à l'huile d'olive bio. Et oui, forcément, l'huile d'olive, c'est de chez nous. Hydrate et réveille l'éclat. Puisque pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je vous rappelle qu'Avignon, c'est en Provence. Mmh. Voilà, voilà. T'as envie de sentir, c'est ça ? Jen, la testeuse, à mon avis, le tube est fermé dedans, non ? Non. Non ? Tu sens ? Ça n'a pas vraiment dedans, mais ça sent bon. Ça sent les huiles. Ça sent naturel, ça sent trop, trop bon, j'adore. Vraiment. Ensuite, Compagnie de Provence. Allez. Il a l'air super joli aussi, celui-ci. J'aime trop avec le petit nœud. Avec le petit nœud qui fait très fête, ouais. Waouh, très coloré. Il est magnifique. Canon. Le 1. Je le vois, ouais. Hop là, une petite crème. Elle a sauté. Crème main hydratante, extra pure, verveine fraîche. Yes, ça sent trop bon la verveine. Et oui, là, ce sont que des produits Compagnie de Provence. J'ai voulu les sentir, mais c'est... Bon, oui, celui-ci, il est fermé. Bon, on va pas toutes les ouvrir, parce que sinon, après, on va avoir trop de crème à utiliser et pas assez de mains. pas assez de visage, etc. Et ensuite, le calendrier d'Ecléor, qui est magnifique aussi au niveau packaging. Et je vois le 1, on est du bon côté, parce que celui-ci, on a des deux côtés. Alors, par contre, je vous l'ai dit, je crois qu'il y a des produits qui sont tombés. Donc, est-ce qu'on va trouver les produits dans les cases à chaque fois ? Mystère. Oui, là, c'est bon. Oh, la couleur. Rien que la couleur du tube, j'adore. Soin fluide argile blanche romarin officinal. Oui. White clay daily care. Ok. Éclamate. 96% d'origine naturelle. Waouh, trop cool. Et là. Trop hâte de tester parce que je ne connais pas du tout les produits d'Ecléor. Ça sent aussi naturel. Ça sent aussi naturel. J'adore. Vraiment très très chouette. Bon, bah du coup, c'est bon pour les calendriers de l'Avent. Beauté ! Oui ! On retourne de l'autre côté ? C'est parti. Allez. Bon, pendant qu'on était de l'autre côté, Sam a commencé à ranger le salon. Oui. Ça rend trop bien, j'adore. C'est chouette, hein. Il n'y aura plus qu'à décorer un petit peu les murs. Ouais, et à mettre la télé au mur. Au mur. Aussi, ouais. Exact. Est-ce que vous entendez ? C'est Jessie qui joue avec sa petite locomotive. Avec Gabriel. Oui. Le petit train de... Trop mignon. Du coup... Je ne suis pas revenue les mains vides. Regarde. La boîte à bonbons. On va pouvoir mettre tous les petits bonbons de Noël. Génial. Voilà, au fur et à mesure. Et puis comme ça, on piochera ce dont on a envie. Tu l'entends ? Oui, elle s'éclate. Elle adore. Ça te plaît ? Oh là là. Bon, je crois qu'elle est fan. Sur ces petites images, trop chou, on va vous laisser pour le premier Vlogmas. Oui. On espère que cette petite découverte des calendriers de l'Avent de tout le monde vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez choisi ou ce que vous avez reçu en cadeau comme calendrier de l'Avent cette année. Si c'est des calendriers de l'Avent gourmand ou d'autres thèmes, parce qu'il y a plein de thèmes qui existent maintenant. Exactement. Et du coup, sur ce, ben, on vous laisse, on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut. Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Tu envoies des bisous. Voilà. Oh, trop choupinette. J'adore. Allez, bisous à tous. J'adore comme elle rigole.